Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez et merci de nous choisir pour vous informer à la une de cette édition. S'achemine-t-on vers une nouvelle crise dans le secteur éducatif guinéen? En tout cas, le SLEC dirigé par Aboubakar Souma menace d'aller en grève. Les motifs de cette éventuelle grève des enseignants, c'est dans ce journal. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée exprime sa désapprobation sur la condamnation des journalistes Ibrahima Souri, Lincoln Souma, Sidi Diallo et Kierno Madiouba poursuivis pour diffamation. Le SPPG projette un sitting devant le tribunal de première instance de Kaloum. On en parle dans cette édition d'information. Bonsoir. On vous le disait, dans nos précédentes éditions, le SLEG, dirigé par Aboubakar Souma, menace d'aller en grève pour réclamer les primes d'incitation que les enseignants n'ont pas reçues depuis plusieurs mois. Rencontré ce matin, Adrien Bami, premier responsable de la communication du SLEG, est revenu sur les revendications. Il parle de courriers sans réponse qu'ils ont adressés au gouvernement. Primes d'incitation, engagement des enseignants contractuels à la fonction publique figurent parmi les revendications du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Selon leurs responsables de communication, leurs plaintes n'ont pas été prises en considération par le gouvernement. Nous avons constaté ces derniers temps les courriers qu'on adresse ici au gouvernement. Ces courriers restent sans réponse. Si vous prenez le dernier courrier qu'on a adressé au gouvernement, nous avons demandé au gouvernement à ce que les primes qui sont en train de payer, les primes d'incitation, qu'ils reversent cela sur les bulletins pour chaque enseignant. Et nous avons demandé également au gouvernement que ces primes concernent ici tous les enseignants, c'est-à-dire tout le personnel, les proviseurs, les encadreurs, les censeurs, soient également dans ce lot de paiement. Suspendu à cause de la pandémie de COVID-19, le SLEG revient à la charge et menace d'aller en grève s'il n'obtient pas de réponse claire. Si le gouvernement n'agit pas dans les jours à venir, nous allons nous retrouver, rencontrer nos syndiqués, voir quelles sont les stratégies qu'il faut adopter et pour entreprendre des actions purement syndicales. Camarades, salut! Adrien Bami explique que leur lutte consiste à améliorer les conditions de vie des enseignants et non de perturber l'année scolaire. Et puis le tribunal de première instance de Kaloum a rendu son verdict mercredi 13 janvier 2021 contre trois journalistes poursuivis pour diffamation. Le juge Abdoul Gadiri Diallo a décidé de condamner ces hommes de médias à 2 mois de prison assortis de sursis avec une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Face à cette situation, le syndicat de la presse privée de Guinée a animé une conférence de presse ce jeudi au cours de laquelle il a exprimé son indignation. Ibrahima Souri Barry nous fait le point. Le syndicat de la presse privée de Guinée n'a pas attendu pour dénoncer la violation flagrante de la loi El Djerodé portant liberté de la presse par un magistrat du pays. Il s'agit de Maître Abdoul Gadiri Diallo du TPI de Kaloum qui a condamné 3 journalistes chroniqueurs de l'émission Africa 2015 de la radio Nostalgie FM à 2 mois de prison assortis de sursis avec une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Poursuivi par la directrice de l'école des jeunes filles Saint-Joseph de Cluny à Kaloum. Une décision que déplore le SPPG. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée demande à ce que cette décision, à la fois liberticide et juridiquement infondée, soit purement et simplement rangée dans les tiroirs des couloirs judiciaires. Le SPPG demande à tous les hommes de médias de se mobiliser contre cet acte qui, en réalité, n'est qu'un coup d'essai pour ceux qui veulent museler la presse dans notre pays. Les faits remontent à 2 ans. Le premier secrétaire chargé des négociations du SPPG apporte des précisions. Demandons simplement à ce que la L002 soit appliquée lorsque l'intéressé est poursuivi dans le cadre de l'exercice de son métier, comme c'est le cas pour nos confrères de Nostalgie. Ça, c'est très important. Nous tenons également à l'indépendance de la justice. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés jusqu'à demander au ministre de la Justice ou au chef de l'État de démettre de ses fonctions le juge qui a pris cette décision. Mais nous l'avons interpellé, qu'il prenne conscience lui-même qu'il a commis une grave faute judiciaire. Par conséquent, il doit prendre l'initiative de démissionner
pour ne pas souiller l'honneur de cette corporation. Invitant la presse guinéenne à la solidarité, le SPPJ compte mener des démarches les prochains jours contre l'acharnement des journalistes si leur déclaration n'est pas prise en compte. Restons toujours dans le monde des médias. La presse en ligne est sollicitée par beaucoup de Guinéens. Cependant, elle est confrontée à d'énormes difficultés, comme le témoigne le directeur de publication de Couleur Guinée. Suivez. Moi, je suis un des fondateurs de presse en ligne, couleurguinée.info. Et je vais vous dire que nous travaillons dans un environnement où la publicité n'arrive pas souvent. Et nous avons des journalistes qui viennent tous les matins à la rédaction. Nous avons des sièges qui coûtent très cher. C'est très difficile. Nous avons des problèmes de survie économique énormes qui font qu'on est obligé de s'organiser pour vivre. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de sites qui ne tiennent pas la route. Ils ouvrent, ils restent un temps et puis après ils disparaissent. Pourquoi? Parce que l'environnement économique est très difficile. Politique à présent dans ce journal, en tournée de remerciements après leur victoire au scrutin présidentiel de 18 octobre dernier dans la région administrative de Cancan. Depuis quelques jours, le ministre de la Défense rassure les militants du parti au pouvoir et s'attaque aux partis qui ont précédé le pouvoir d'Alpha Condé qu'il qualifie de disparition après le décès de leur président. Une réaction qui n'a pas laissé indifférent le secrétaire général adjoint du PDG RDA, Alpha Omar Diallo, a été à sa rencontre ce jeudi 14 janvier 2021. On doit tout faire pour que le RPG ne finisse pas comme le PDG RDA. Le président Ahmed Sékou Touré s'est battu corps et âme pour la Guinée et l'Afrique. Mais lorsqu'il est mort, tout le monde sait aujourd'hui comment est le parti PDG RDA, a dit Mohamed Diané à Cancan. Le secrétaire général intérim du PDG RDA a réagi à ces mots du ministre de la Défense. Attention au PDG, c'est qu'effectivement on existe, parce que si on n'existe pas, on n'allait pas être cité. Donc nous sommes une somme d'expérience politique et de gestion. Et on ne peut même pas disparaître. Quand le ministre même dit ça, moi je tombe de nu en réalité. Parce que c'est comme s'il veut nier d'où il vient et il ne sait plus où il va. Il lance un défi au cadre du RPG en invitant un débat contradictoire sur l'existence ou non du PDG RDA. Sur l'échiquier politique guinéen. Vraiment avoir des cadres du RPG, ou lui-même s'il faut, ou en tout cas des responsables du RPG, par rapport à un débat contre sur n'importe quel sujet lié à l'existence du PDG et du RPG, sur n'importe quel sujet de développement, on leur dira encore si bien ils existent, ils doivent ça, si bien le RPG existe, ils doivent aussi en partie cela au PDG RDA. Aujourd'hui, tous ces ministres, ces directeurs nationaux, ces secrétaires juridiques, ces chefs de cabinet, tous sont à l'intérieur, donc l'administration en réalité est paralysée. Le retard pour la mise en place du nouveau gouvernement après l'investiture d'Alpha Condé est un exemple d'incapacité du parti au pouvoir, selon les mots de Yebe Avogui. Nous avons entendu gouverner autrement, nous avons entendu 4 ans en public, mais aujourd'hui jusque-là, nous ne comprenons rien. Parce que si on veut gouverner autrement, il est question que les lois et les principes de la République soient appliqués. Il n'est plus question qu'on parle d'accord politique, il n'est plus question qu'on parle de quoi que ce soit. Le secrétaire général intérim du PDG RDA estime que le ministre de la Défense a piétiné le passé au profit du présent. C'est une majorité élue de la Chambre des représentants qui ont voté ce mercredi pour la mise en accusation du président Donald Trump d'être incitateur de ses partisans aux violences dans le Capitole. Au total, l'acte d'accusation a obtenu 232 voix contre 197. Docteur Faya Minimono, qui maîtrise la politique américaine, donne ses précisions dans cet élément de reportage de Bunt Souma et Mustapha Diané. Âgé de 74 ans, le président Donald Trump est accusé d'incitation aux violences contre le Capitole le 6 janvier dernier. Des violences qui ont coûté la vie à 5 personnes. Déjà, du côté de la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, une procédure de destitution est mise en place en demandant au vice-président d'agir. L'amendement numéro 25 prévoit la possibilité de déclarer le président inapte temporairement ou permanemment à exercer sa fonction. Dans le cas où le président est bien vivant, comme le cas de Trump, mais dans le cas où les 15 membres du cabinet
et le vice-président se retrouvent pour décider en majorité de déclarer le président incapable d'exercer, le président peut contester cette décision. S'il conteste la décision et que le Congrès persiste, en ce moment, la procédure d'impeachment commence. Contrairement à la Chambre des représentants, il est fort probable que sur 100 sénateurs, 67 approuvent cette procédure de mise en accusation du président Trump, selon Dr Fayami Limono. Le discours de Trump était aussi clair que ça allait dans le sens d'inciter les gens à se révolter, à s'attaquer aux institutions. Alors, les dispositions n'ont pas été suffisamment prises pour protéger, n'est-ce pas, les institutions. 10 000 militaires réservistes qui vont assurer la sécurité, n'est-ce pas, le jour de l'investiture de Joe Biden. Les promoteurs de la démocratie estiment que Donald Trump voulait remettre en cause le fonctionnement de la démocratie américaine. Justice, le tribunal de première instance de Mafanko tarde à rendre son verdict dans le dossier Omar Sylla, alias Fony Kemenge. Ce jeudi, la juge a préféré renvoyer son délibéré pour 2 semaines. Les avocats de la défense se disent déçus par cette décision. Omar Kondé. Il est poursuivi pour attroupement illégal sur voie publique, provoquant ainsi des troubles à l'ordre public. Prévu pour ce jeudi, la juge décide de renvoyer son délibéré pour le 28 janvier prochain. Une décision que ne comprennent pas les avocats de Omar Sylla. J'ai une réaction de déception et d'angoisse. Parce que pour un dossier aussi simple, un dossier aussi vide, un dossier aussi banal. Aujourd'hui, on pouvait s'attendre à tout sauf un prorogé délibéré. La décision devait être rendue aujourd'hui. Ça ne pouvait être que sa remise en liberté, parce que les faits ne sont pas établis. Selon Maître Salifo Beyavogui, cette attitude de la présidente du tribunal vient s'aimer le doute par rapport en ce qui concerne le procès. C'est que finalement, le doute s'installe. Est-ce que les mains sont libres? Est-ce que le tribunal sera libre dans cette affaire? Nous nous posons cette question. Il faut attendre qui pour rendre son verdict? Il faut attendre quoi? Ça, c'est révoltant, mais c'est inquiétant pour nous. Mais de toutes les façons, nous sommes des demandeurs de justice. Nous estimons que notre client est victime d'injustice. Il va prendre son mal en patience. Pendant ce temps, Omar Sylla, alias Fony Kemenge, continue de séjourner en prison. Page culture dans ce journal. Lors du concert de Kofi Olomide à Conakry le 31 décembre dernier, plus de 200 millions de francs guinéens auraient été détournés à la structure Tigane World Music. L'annonce a été faite par le directeur général de la structure, Tigane Souma. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, il annonce qu'il compte poursuivre en justice les auteurs de ce détournement. Mariam Barry, commentaire. 200 millions de francs guinéens, c'est le montant qui aurait été détourné à marge du concert de Kofi Olomide à Conakry. Tidjane Souma promet de poursuivre les auteurs de ces dix détournements. Il annonce que dorénavant, le choix des membres de la nouvelle équipe de production Tidjane World Music se fera avec rigueur et transparence. Dans le communiqué, le DG de la structure a dit qu'il autorise le chef du projet, Aboubacar Sidiki, à entreprendre toute procédure légale visant la récupération exacte du montant détourné qu'il qualifie comme une foutaise intolérable et inacceptable à son intelligence. 2021 n'est pas 2020. Avant mon accident et après mon accident, je ne suis plus le même Tidjane. L'avenir le prouvera par les actes et les actions radicales, a-t-il conclu. Page Afrique dans cette édition d'information. En Ouganda, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi matin pour des élections générales après une campagne électorale tendue. Pour le scrutin présidentiel, le président sortant Yoweri Museveni brigue un sixième mandat face à 10 autres candidats. Les élections législatives et présidentielles ont démarré en Ouganda. Les opérations devaient commencer à 4 h du matin, temps universel,
soit 7 heures heure locale. Mais des bureaux de vote ont ouvert avec un retard dans la capitale. 18 millions d'Ougandais dans plus de 34 000 bureaux de vote sont appelés aux urnes pour choisir un président et les députés de l'Assemblée nationale. L'actuel chef de l'État, Yoweri Museveni, 76 ans, brigue un sixième mandat. Il fait face à une dizaine de candidats, dont un jeune de 38 ans, Bobi Wine, député et ancien chanteur. Le double scrutin se déroule dans un contexte de perturbation généralisée des canaux de communication. Des difficultés d'accès à Internet sont rapportées alors que les autorités ont décidé il y a quelques jours de couper les accès aux réseaux sociaux. Dans le bidonville où l'opposant Bobi Wine a grandi, une grande affluence est constatée. Les forces de l'ordre essayent de faire respecter les mesures de distanciation sociale en raison de la pandémie de coronavirus qui frappe sévèrement l'Ouganda. Voilà comment finit ce journal. Merci pour votre aimable attention. On se reprend sur cette télé pour d'autres informations. Merci pour votre confiance à Star Maintien TV pour vous informer. Au revoir.